Le numéro 67, donc les pièces de notre numéro dont on va mettre les extensions d'ailes, notre pas à pas. Donc, notre pas à pas, notre résultat fini à la fin. Le 68, on va venir ajouter un petit peu de longueur à notre voiture. Ah, et on va mettre un petit autocollant, donc serrure de contacteur en place sur notre voiture. Notre résultat fini et on y va. Alors, en pièce, en A, on a notre extension d'aile arrière gauche, marquée L à l'intérieur. Voilà. En pièce B, c'est notre baguette gauche, donc c'est pareil, il y a un petit L à l'intérieur ici. C'est écrit 3L exactement. En C, c'est l'extension d'aile arrière droite. Et en D, la baguette droite marquée 3R. On a des vis AP. On commence par notre côté gauche. On va venir mettre notre baguette en place. Donc on voit que c'est biseauté à chaque fois. Donc il faut bien le mettre comme il faut. On a juste à venir l'enfoncer. Si ça veut. Voilà. On va faire tout de suite pareil pour la droite. Et voilà.
si vous n'arrivez pas à bien les enfoncer, je vous conseille de les mettre à plat comme ça sur votre plan. Et là, vous pouvez venir appuyer. Voilà. Ah, et là, ils sont bien mis, nickel. Donc on retourne notre modèle, on vient déjà en premier côté droit ici. On va mettre lui marqué L. On place juste ici, comme ça. Et on le tient avec trois vis AP. Ici, ici et ici. On vient ensuite côté gauche, on fait la même chose. Et voilà pour ce numéro 67, vous voyez comment ça habille le côté quand même. Donc c'est tout pour ce numéro 67.
Alors, notre 68 en pièce A, on a déjà l'avant de notre châssis. En pièce B, on a l'autocollant de serrure de contacteur. Et on a des vis GM. On commence par venir enlever la barre ici. Donc on va dévisser de chaque côté. On va prendre des vis GM. Donc on va venir enlever la peinture qui a pu se mettre dedans à chaque fois. Donc là, on voit les trous. Donc on va venir mettre nos vis ici. On vient ensuite les enlever. T'es là? Oh! T'es là?
Celle-là, du coup, je m'en suis servi pour les quatre. Comme on a tout le temps des vis d'avance, celle-là, je la jette. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais moi, je préfère. On vient mettre notre première partie de carrosserie à l'envers. On va venir installer l'autre la partie haute est mise, puis la partie basse à mettre. Voilà. Pour arriver à bien emboîter, vous dévissez les deux vis qui sont là et après vous revenez les resserrer et ça ira beaucoup mieux. Et ensuite, on vient mettre des vis GM un peu partout. On a 3, 6, on a 7 à mettre, donc 2 ici. Une ici, et trois de ce côté-là.
Une fois que vous avez serré tout ça, vous n'oubliez pas de revenir serrer vos deux vis. Voilà. Et voilà pour nos 205. Au moins, tout à voilà pour la partie carrosserie de la 205. Je vais chercher une petite coupelle d'eau, je reviens. Alors, on vient faire ramper notre décalque 15 secondes dans l'eau. On va venir ensuite la mettre en place juste ici. Et on n'a plus qu'à laisser sécher ça et c'est bon. Et voilà pour notre numéro. Voilà. Thank you.
Et voilà, ça nous donne déjà à la fin de notre bot numéro 17.